Voici les 10 raisons pour lesquelles tu devrais utiliser l'histoire pour vendre facilement. Tu devrais faire du storytelling pour augmenter facilement tes ventes. La huitième va te surprendre parce qu'elle évoque le sexe. Mon nom est Brice Kangang, je suis expert en storytelling et coach en art oratoire. Pour t'aider à propulser ton entreprise ou propulser ta carrière avec la bonne histoire. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur le lien de notification pour ne rien manquer de mes vidéos. Parce que sur cette chaîne, je te donne des trucs et astuces, je te donne des stratégies, je te donne des façons de faire pour être davantage persuasif, être davantage convaincant, pour pouvoir prendre la parole de façon captivante, mémorable et inspirante. Parce que je suis convaincu que chaque histoire bien racontée vaut diamant. La première raison pour laquelle tu dois utiliser les histoires lorsque tu veux vendre un produit ou un service, eh bien, c'est que l'histoire permet d'augmenter la valeur perçue de ton produit ou de ton service jusqu'à 3000%. Wow! Oui, tu l'as bien compris, jusqu'à 3000%. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est le résultat d'une étude qui a été menée pour comprendre comment est-ce que les histoires pouvaient augmenter la valeur des articles. Et donc, les gars se sont réunis, ils ont acheté des vieux articles, des vieux produits sur eBay, et ils ont regardé, ils ont placé les produits normalement, ils ont revendu normalement, ils ont vu à combien c'était acheté et ils ont changé maintenant l'approche. Ils ont fait rédiger des histoires pour chaque produit et les histoires étaient rédigées par les storytellers. Donc ils ont écrit pour chaque article, il y avait une histoire à côté et en dessous. La valeur est montée jusqu'à presque 3000%. Juste parce qu'on avait ajouté une histoire. Donc, si tu veux pouvoir augmenter la valeur perçue de ton service ou de ton entreprise, utilise l'histoire dans ton processus de vente. La deuxième raison pour laquelle tu dois utiliser des histoires dans ton processus de vente, c'est que ça te permet d'éviter les arguments démonstratifs de vente. Le problème fondamental avec les arguments de vente, c'est que ces derniers permettent de donner des raisons aux personnes qui t'écoutent de t'apporter des objections. Parce que plus tu essaies de démontrer que tu as le meilleur produit ou le meilleur service, plus le cerveau de la personne à qui tu parles trouve les raisons, trouve des failles, trouve des éléments qui ne sont pas très concordants, allume l'alarme vendeur, comme on dit souvent, l'alarme vendeur. Hey, ça c'est un vendeur, il veut juste me vendre des choses. Et derrière, ce qui se passe, c'est qu'on t'apporte des objections. Donc, en utilisant les histoires, tu réduis ou supprimes carrément les objections. Donc voilà la deuxième raison pour laquelle tu dois utiliser les histoires quand tu veux vendre. La troisième raison, c'est que lorsque tu utilises une histoire, tu fais du storytelling dans ton processus de vente, tu crées facilement le contraste entre le avant et le après. La meilleure façon d'amener l'autre à voir sa situation actuelle, c'est en lui racontant une histoire. La meilleure façon d'amener le prospect à voir sa situation future, c'est encore en racontant une histoire. Donc quand tu combines ça, c'est comme le blanc et le noir que tu as superposé et on peut très bien voir. Le jour et la nuit qui sont superposés, on peut très bien voir le contraste. Donc l'histoire te permet de créer le contraste du avant et du après. Et tu pourras donc vendre facilement. La quatrième raison pour laquelle tu dois utiliser les histoires dans ton processus de vente, c'est que les histoires permettent facilement de stimuler les émotions. Or, nous savons que ce qui permet aux gens de vendre, ce sont les émotions. La raison pour laquelle nous achetons, c'est parce qu'on a ressenti des émotions. Tiens, j'ai un iPhone 14 ici. Si tu me dis, mais Brice, pourquoi tu as acheté ce iPhone 14? Je vais te donner toutes les raisons plus ou moins valables d'un point de vue caractéristique. Je vais te dire que, ok, j'adore le design, ok, j'aime le côté sécurité qui est sur tous les produits Apple, etc. Mais c'est du blablabla. Bla. En réalité, c'est les émotions que j'ai ressenties en voyant la promotion de ce iPhone quand le lancement s'est fait. D'ailleurs, je suis un fan de Apple, comme beaucoup de millions de personnes dans le monde. Je n'ai que des appareils Apple chez moi. Pourquoi? C'est parce que j'ai ressenti des émotions. Et c'est venu de quoi? C'est venu de l'histoire de Steve Jobs. Donc, si tu veux vendre facilement, tu sais que tu peux utiliser les histoires pour stimuler les émotions. D'ailleurs, à ce propos, j'ai créé cette vidéo-ci qui t'explique comment est-ce que tu peux stimuler les émotions dans ton processus de vente. Donc, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo pour savoir comment stimuler les émotions et vendre plus facilement. La cinquième raison pour laquelle tu dois utiliser les histoires lorsque tu vends,
c'est que les histoires permettent de créer ce qu'on appelle le contexte d'influence. Le contexte d'influence consiste à plonger la personne qui t'écoute ou qui te lit ou qui lit ton histoire dans un univers où la suite de son processus de décision sera toujours ancrée sur le contexte que tu auras créé avant. Je te prends un exemple. Dans mon processus de vente, surtout quand je suis au niveau du closing, j'aime souvent raconter l'histoire de mon client idéal. Voici l'histoire de mon client idéal. Et quand je raconte ça à un prospect, ça crée ce qu'on appelle le contexte d'influence, qui fait que la suite de notre discussion sera à l'aune du profil de mon client idéal. La sixième raison pour laquelle tu dois utiliser les histoires dans ton processus de vente, c'est que lorsque tu racontes une histoire, ça te permet de gagner facilement la confiance de ton prospect, la confiance des gens qui te suivent. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu te positionnes là comme étant le conseiller qui a le désir d'aider. Tu te positionnes comme étant celui qui comprend l'autre. Tu as développé une certaine empathie parce que quand tu racontes ton histoire ou l'histoire que tu racontes dans le cadre de la vente, la personne a tendance à se dire « Oui, là, il parle de moi. Ah oui, là, il me comprend. » Il y a ces deux aspects-là. Et puis, il y a un troisième aspect qui permet de gagner facilement la confiance, c'est que tu te positionnes finalement comme étant l'expert qui a les outils nécessaires pour l'accompagner, le faire sortir du problème dans lequel il est. Donc, voilà pourquoi utiliser une histoire dans le processus de vente est capital, le storytelling. La septième raison pour laquelle tu dois utiliser les histoires dans ton processus de vente afin de vendre facilement, c'est que les histoires permettent facilement de captiver et soutenir l'attention du prospect. On sait très bien que les êtres humains sont toujours en train de divaguer. On a environ 60 000 pensées par jour qui nous traversent la tête. Et donc, il n'est pas évident pour nous de rester concentrés pendant longtemps. La plupart des gens perdent de l'argent dans le processus de vente simplement parce qu'ils sont en train de parler dans le vent. Ils parlent, la personne est là, le prospect est là, il te regarde, il t'écoute, mais il n'est pas avec toi, il ne te comprend pas parce qu'il est en train de penser à un autre problème. Il est en train de penser à une idée, à quelque chose de plus fort que ce que tu es en train de dire. Et il est connecté à ça, il n'écoute plus ce que tu dis. Et le résultat facile, c'est que derrière, tu ne pourras pas le persuader d'acheter ton service. Donc, il faudrait absolument que tu racontes une histoire pour t'assurer de captiver l'attention du prospect. Et puis, il est là, il t'écoute, il consomme ce que tu dis. Il a envie d'en savoir davantage. Il a envie de te faire confiance. Il a envie d'acheter ton produit ou ton service. La huitième raison pour laquelle tu dois absolument utiliser une histoire dans ton processus de vente, c'est que l'histoire est plus puissante dans la vente que le sexe et l'humour. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Quinsbury qui a fait une étude sur 108 vidéos de publicité au niveau du Super Bowl aux États-Unis. Il s'est rendu compte que les vidéos qui performaient le mieux, c'était des vidéos dans lesquelles on racontait une histoire. Contrairement à celles dans lesquelles c'était plutôt le sexe, vous savez, parfois on filme des hommes ou des femmes exposés, presque dénudés, etc. pour attirer. Ou alors des vidéos où c'est fun, il y a de l'humour, etc. Parfois ça marche aussi, mais ça marche beaucoup moins qu'une histoire qui est construite et qui est racontée dans le cadre d'une publicité. Par exemple, on se rappelle très bien de Think Different de notre cher Steve Jobs, une fois de plus Apple. L'histoire qu'il raconte derrière par rapport au génie de ce monde qui était considéré comme étant des fous. Donc c'est que c'est plus puissant que le sexe et l'humour. Ça vend plus facilement. La neuvième raison pour laquelle tu devrais raconter une histoire dans ton processus de vente pour vendre facilement, c'est que l'histoire permet à la personne qui écoute, au prospect qui écoute, d'avoir une expérience immersive de ce que tu vends. Et on sait très bien que les gens n'achètent pas le produit qu'on leur vend. Ils achètent l'expérience qu'ils ont. Ils achètent la propulsion, l'univers dans lequel on les projette. Et la meilleure façon de les projeter dans cet univers-là, c'est de leur raconter une histoire. Il n'y a pas mieux que ça. Raconte une histoire. Fais du storytelling. La dixième raison pour laquelle tu dois utiliser des histoires dans ton processus de vente, c'est que la meilleure façon de lever les objections, c'est de faire du storytelling.
Oui, quand tu racontes une histoire en amont, après il peut avoir une petite objection. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Si au début tu as su raconter la bonne histoire, il n'y aura pas d'objection. Mais si jamais il y a une objection que le prospect lève, la meilleure façon de faire face à cette objection-là, d'amener le prospect à voir que son objection n'en est pas une, qu'il y a une solution à ça, eh bien c'est de lui raconter une histoire. L'erreur que font beaucoup de gens dans le processus de vente, c'est qu'ils ont tendance à vouloir démontrer que ok, l'objection que tu me donnes là, elle ne vaut pas la peine. Non, ça... Par exemple, quelqu'un te dit, ok, c'est un peu au-dessus de mon budget. Tu vas vouloir démontrer que non, mon produit ou mon service n'est pas si cher que ça, voilà, par rapport à la concurrence, blablabla. Tu démontres. Et à mesure que tu démontres, la personne en face de toi se rétracte et trouve des moyens de douter et s'éloigner de toi. Ne démontre pas. Raconte simplement la bonne histoire de la bonne façon. Fais du storytelling. Je t'invite à regarder cette vidéo-ci qui est hyper importante pour t'aider à voir comment est-ce que tu peux stimuler les émotions chez les personnes qui t'écoutent afin de pouvoir vendre facilement. N'oublie pas aussi de t'abonner à cette chaîne et de cliquer la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. J'ai également mis dans la description un lien qui te permet d'avoir accès à un e-book 100% gratuit pour voir quels sont les ingrédients de la bonne histoire. C'est totalement gratuit, clique sur le lien et abonne-toi. À bientôt.